Eh, salam le monde, c'est Hakim Rap Possible, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo réaction puisqu'on va réagir au dernier titre de Maes, le dernier titre de Maes qui s'appelle Survie en feat avec Nino le Eni. Bah c'est, je crois que c'est le deuxième feat hein, entre les deux, si je me rappelle bien, le feat précédent c'était sur le titre Distant. Qui était sur l'album Les Derniers Salopards, un album de Maes. C'était un album de Maes qui était sorti en 2020, d'ailleurs pour moi qui est vraiment musicalement parlant son meilleur album. Et bah depuis, Maes Nino, voilà, il y a eu du chemin parcouru. Moi, les gars, ça n'engage que moi, encore une fois, trouve que les deux sont sur le déclin. En tout cas, musicalement parlant, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose qui est proposé par les deux. On m'a énormément parlé du son, on m'a dit « vas-y, réagis ». Bah écoute, on va réagir comme on peut sur le titre « Survie » et on va voir ce que ça va donner, évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire ce que vous pensez en général de Maes et Nino, si vous avez le même avis que moi ou alors pas du tout, bref. C'est à toi de jouer, hein, tu connais. Hein. Bon, allez, les gars, on est parti. Let's go. Shooter casque, ça allume, arrivé d'Arty. Oh. Même ta pète à ce que j'ai le truc. Hey. Ça va être de la mélo, hein. Même ta pète à ce que j'ai le truc. J'investis plus dans la SMI. Faut du gain shit. T'es Nia, ça profite. Trop d'humains, c'est nocif. Et tous les salauds le savent. Probi de 1-2, Marocchi. Chill les montagnes, ça tamponne, ça bombarde. Allez, sans retour. Ah, j'aime bien le début, là. Hein. Tout près d'un Mac Hill, au parano, gros, je... Bon les gars, on va pas se mentir. Là, bon, on est quand même, je trouve l'entrée de Nino, franchement, plus que correcte. Et bon, même si on est sur ce fameux flow linéaire, mais ça passe. Mais je pense que l'entrée de Maes, pour moi, va déterminer le son, on va pas se mentir. On va partir sur, à mon avis, une très bonne mélo au refrain. Ah non, je pensais que tu vois Maes, il allait rentrer là-dedans, okay. Ah, ouais, ok. Sur 9-5, je viens du 9-3. On prend le four de force, je fais passer le 49-3. Une seule solution, c'est presser le 11-43. Je suis un petit tranquille, c'est ti. On va retrouver ton corps avec des balles, c'est chaud. Je suis broliqué dans tout l'espace, j'ai une gueule. Ça peut venir à tout moment, dans tous les cas, j'ai le gueule. Il au charge, on va t'allumer devant tes collègues. Dans la nuit, je suis le renard. J'ai qu'au charbon comme un mec des 3 tours. Timmy, tu fais en finit par moi. Non, la mélo elle est plus que correcte. Ça rentre dans la tête. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, Mocro Mafia. La Mocro Mafia, la fameuse. Ok. Bon, les gars, du coup, le titre de Maes en feat avec Nino, Survie. Non, franchement, c'est un son correct. En vrai, franchement, son correct, évidemment. Maes Nino qui maîtrise très très bien la mélo sur le refrain. Voilà, c'est un refrain. Simple mais efficace, voilà, qui est répété par les deux. Donc non, franchement, là-dessus, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Après, dans les couplets, j'ai vraiment apprécié l'entrée de Eni, hein, franchement, sur le titre. Il te met vraiment dans la thématique, dans le délire. Après, justement, en parlant de thématique, je suis pas surpris, par contre, tu vois, par le texte, par... Tu vois, t'as l'impression que les paroles, les refs et tout, tu les as déjà entendus dans les autres sons, en fait, tu vois. Donc, pour moi, encore une fois, quand je parlais de déclin musical, c'est aussi à travers la thématique. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes trucs qu'on raconte, les mêmes punchs, les mêmes rimes et tout. Moi, personnellement, et encore, je dis punch, il n'y a pas vraiment de punch, tu vois. C'est plus les refs et les rimes, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Le son, s'il était sorti il y a, franchement, tu vois, à l'époque de Distant ou un truc comme ça, oui, je pense que gros banger, il n'y a pas de souci, mais vu que c'est, tu vois, le même texte, on tourne encore en rond, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Donc le son est bon, il n'y a pas de souci, mais quand tu as déjà fait ça auparavant, j'ai envie de te dire, ouais, c'est bon. Tu vois, tu vas pas manger le même plat toute ta vie. À un moment donné, tu as envie de renouveler, tu as envie de faire de l'équilibrage alimentaire. T'as capté le bail. D'ailleurs, j'en ai besoin. C'est ça, en fait, qui me frustre. Tu vois, chez ces deux artistes-là, notamment, je trouve que les deux sont identiques à ce niveau-là. C'est que c'est toujours la même chose. Même si Eni avait tenté quand même... Voilà, après Réfé, il a tenté un truc un peu mélancolique, un truc un peu différent. Mais dans les mots, dans le texte, c'est la même chose. Donc voilà, on tourne un peu en rond et je trouve ça frustrant, moi personnellement, c'est pour ça que j'ai du mal maintenant, voilà,
à attendre quelque chose de ces artistes-là, mais après, voilà, on suit quand même, on voit ce que ça donne avant de dire des bêtises et tout. Voilà, au moins on écoute et après on donne notre avis. Et voilà. Et... Bon, personnellement, le son est bon, mais vu et revu. Donc voilà, les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Réaction, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire ce que vous pensez du titre Survie de Maes et Nino, juste sous la vidéo, comme d'habitude. Et ce sera déjà pas mal. Bref, c'était Hakim Impossible. Bref, c'était Hakim Rap Possible. J'espère que vous avez. Bref, c'était Hakim Rap Possible. Prenez soin de vous. Bref, c'est à qui me rappe possible. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous laisse. Et je vous fais la fucking beers.